suis Aboubacar Bissot Rachida. Je suis étudiante en troisième année de droit à l'université Abdoulaye de Niamey. Je suis membre du cadre consultatif national des enfants et jeunes du Niger. Je reviens d'une rencontre internationale qui s'est tenue au Kenya à Nairobi. Une rencontre organisée par Plan International et l'UNESCO. Nous avons débattu sur des thèmes tels que l'éducation inclusive, les questions de genre, la responsabilité de la jeunesse. Le premier panel fut animé par les participants, les partenaires ainsi que les organisateurs. Nous avons débattu sur l'accès à l'éducation pour tous. Un accès à l'éducation pour tous, oui, mais un accès à une éducation de qualité. Les panélistes ont tenu à attirer l'attention des jeunes quant à leurs responsabilités, de responsabiliser les gouvernements pour qu'un budget conséquent soit alloué à l'éducation. Le représentant du FAOE a tenu à conscientiser les jeunes quant à leur devoir qui est « Je suis venu, j'ai appris et j'agis ». La deuxième session fut la voix des jeunes. Dans la voix des jeunes, une communication a été présentée par pays. Cette communication concernait les enjeux, défis et perspectives de l'éducation en Afrique. Ensuite, quatre sessions parallèles furent animées. De ces sessions parallèles, nous avons tiré des recommandations pour la rédaction d'un mémorandum qui sera présenté à la conférence panafricaine de la jeunesse qui se tiendra du 25 au 27 avril 2018 à Nairobi. Nous avons affiné les recommandations sur la forme et le fond. Des propositions de mémorandum provisoire a été faites. Et ce mémorandum provisoire va être présenté à la conférence pour faire preuve de la voix des jeunes.